Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est Koinski, on se retrouve sur le jeu The Vanishing of Ethan Carter. On va essayer de découvrir quelles sont les horreurs qui se cachent dans la Red Creek Valley. La dernière fois, on avait résolu la quête du caveau des Vandegriff, l'énigme, du meurtre de cet homme ici qu'on voit allongé sur le caveau et qui était l'un des possédés qui avait essayé de tuer Ethan en l'emmurant vivant, mais les parents d'Ethan étaient intervenus. Alors, il y a des choses que j'ai pas fini encore. Alors je crois qu'en fait, ceci c'était un des éléments de la vision, je vais pas m'en servir en fait, c'était simplement parce que l'un des personnages l'a porté et l'avait déposé là que elle faisait partie de la scène ici. Moi j'avais cru voir qu'il y avait encore quelque chose à faire dans l'église parce que à la fin de la vision, des corbeaux s'envolaient et puis les personnages disaient Ethan serait là-bas dans l'église. Peut-être que je me trompe, mais je vais quand même vérifier par acquis de conscience. Je crois que j'ai tout fait en fait ici. À la fin de la dernière vision, Ethan disait à son père qu'il allait essayer de rentrer dans la mine. Son père lui répondait qu'il n'avait pas ses clés et Ethan disait bah, c'est pas grave, je vais passer par le tunnel qui se trouve près de la grille et de la barrière. Et moi, ce tunnel-là, je crois que je l'avais découvert en poursuivant le chemin descendant par ici. Et puis en se retrouvant près de la tente de la sorcière, où j'avais eu aussi une vision là. Sans avoir d'énigme particulièrement, je sais pas s'il y en aura une maintenant, on va aller voir. En tout cas, je crois qu'au niveau de l'église, j'ai plus rien à faire. Je me trompe, c'est par ici que je dois aller. Bon, en chemin, je vais regarder si j'ai rien oublié la dernière fois que je suis passé par ici. Alors ici, la route qui redescend vers le rivage et les maisons, et je pense que c'était peut-être dans ce coin-ci que se trouvait la grille. Je vais reprendre cette route-là pour voir. On retourne à l'église, peut-être par là. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Je crois que je suis sur la bonne voie, les amis. Je pense qu'il faut pas que je vienne par ici, il faut que j'aille par là.
Oh purée, là j'ai du bol d'avoir trouvé parce que j'aurais pu très bien passer à côté. Cool. Je crois que le fait de s'accroupir va enfin servir dans le jeu. Je vais éteindre la lumière que j'ai à côté de moi, tiens, ce sera beaucoup plus sympathique comme ça. Ah oui, voilà la grille donc. L'entrée était donc bien à côté, je tombais dessus vraiment par hasard. C'est un labyrinthe, j'ai intérêt à choisir un côté pour longer et m'y tenir. On va longer par la droite. Je le sens pas du tout cette histoire. Alors, je peux aller par là. On va quand même finir d'explorer le niveau. D'accord. Pour l'instant, le jeu fait pas vraiment peur, donc j'espère que ça va continuer ainsi. Mais je me doute qu'il y aura quand même quelques passages un peu flippants, c'est pas possible. Donc là, il a sauvegardé. J'ai trois passages, on va longer par la droite. Alors j'ai pas fait de plan, je sais pas si c'est très prudent. Alors il y aurait une pioche dans le coin. Je vois rien, il fait tout noir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On voit rien. Elle est plantée dans une cloison apparemment, dans ce coin-là. Je vais tout de suite aller voir. Je vais faire remonter celui-là, comme ça je pourrais le prendre après pour redescendre. Ou pour monter d'ailleurs. Ben plutôt pour monter, parce que si je descends, je vais me noyer comme ce gars-là. Cette fille.
Ah, voilà la vision que je dois éclaircir, elle est toute petite. Très bien. L'autre vision, c'est une vision secondaire, je dirais, celle de la pioche qui permet de faire avancer celle-ci en trouvant un objet, par exemple, dans ce cas-ci, la pioche. Donc, il doit être par ici quelque part. Tellement noir. En entrée dedans, je vais vérifier s'il n'y a pas la pioche quelque part ici. Je vais pouvoir profiter de sa lumière peut-être. Je vais déjà descendre. Je vais voir si je trouve la pioche maintenant. Malheureusement non. Je prends un petit peu d'élan et puis on va foncer dans le tas de rochers peut-être. Pas sûr que ce soit très malin, mais allons-y. Boum. Passe. Si je vais en arrière, je vais peut-être pouvoir éclairer ce couloir-là. Il faudrait peut-être changer l'aiguillage alors, je sais pas trop. Ah non, non, je vais simplement faire le tour par le... On va faire le tour. Bien vérifier au passage que j'éclaire rien d'important. Peut-être ici, je peux éclairer le coin là, hop. Descendre. Non, c'est pas là. Avant d'y aller, je vais essayer de changer le... Est-ce qu'on peut changer l'aiguillage ou est-ce qu'il est déjà bon? Il est bon en fait. Normalement, je vais aller tout droit. Ok. Attention, il y a peut-être des choses à examiner par là. Ah ben voilà la pioche. Quelqu'un a tapé dedans pour éteindre la lumière. Ah bon Dieu, c'est pas très rassurant tout ça quand même. Pas pourquoi, mais ce couloir-là ne dit rien du tout.
Je vais retourner voir si je peux utiliser la pioche ou si le fait de l'avoir prise a augmenté un petit peu la vision. Pas du tout. Je peux pas interagir avec ça. Pioche réparée. Ok, d'accord. Ok, voilà, ça je reconstitue. Faut toujours se mettre dans l'idée que on doit pas forcément utiliser les objets, mais on doit des fois les placer à un endroit spécifique qui correspond à la vision qu'on doit avoir. Ah, rien d'autre à faire, ok, très bien. Les lumières, il y en avait 1, 2, 3, 4. De là. Là, une là. Là, une là. Ok, ça va, elles sont restées dans le coin. C'est la fille qui est morte, noyée. Et ça, c'est... c'est le papa d'Ethan, je pense, et Dale. Il a pris la pioche. Ils sont arrivés à deux, ils sont aventurés ici dans la mine, je sais pas pourquoi faire. Ouais, il a la pioche. Et ensuite il a activé, ça doit être la dernière chose qu'il a faite. 5. Ah, il y en a 5 en fait. Ou alors il a fait ça après, il a l'air de regarder par là. On va voir s'il est encore là. Et ici il a plus la pioche, donc ça doit être après. De toute façon on verra bien un petit peu quand... quand je vais lancer la chronologie, je comprendrai mieux chaque étape. Ça doit être la 2. Plutôt ici la 3. Et ici la 1. Donc il arrive avec la femme. Il l'amène dans un piège en la faisant descendre dans le... en l'emmenant dans l'élévateur. En la pioche. Oh, je suis pas sûr de bien tout comprendre. On va lancer la chronologie. Probably ran. But why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Ok, j'ai compris ce qui ne va pas. C'est que ici il n'a pas la pioche pour la simple et bonne raison qu'il ne l'avait pas encore prise. Donc c'est ici que vient le numéro 3. Ensuite il décide de prendre la pioche 4 et d'aller l'utiliser par là. Donc ça c'est la maman d'Ethan en fait. Hein. Je ne l'avais pas reconnue par rapport à la vision précédente, je sais pas pourquoi. Go! Honey, he probably ran. But why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. I see clearly.
The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Ah oui, d'accord, ok. Dale! Dale, what is this? I'm fixing something. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Oh, bloop, 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 bloop. Ok, montre-moi la voie, petite lumière. Ouais, j'avais bien peur que tu me dises ça. Alors que j'aille par là. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil à cette galerie ici. En fait, bon, je suis content parce que j'ai pas du tout été bloqué sur cette énigme aussi. Bah, c'était pas vraiment une énigme en fait, il y avait vraiment rien de compliqué. Where's mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. I'll deal with your brother. Just go, now. En tout cas, le père résiste bien, il résiste bien. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Oui, mais le papa, lui, résistait bien quand même à l'influence du sleeper, du dormeur. En tout cas, ce sera avec plaisir que je continuerai l'aventure dans la prochaine vidéo. Je vais aller au bout de ce jeu, qui est d'ailleurs normalement pas très long. Donc au cours de ce let's play, on aura l'occasion d'aller jusqu'au bout ensemble, de découvrir le fin fond de l'histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut !